My name is Sename Kofi Agbodinu. I'm architect and anthropologist, and my Africa is low high tech. Everybody quiet down! Meet Sename Agbodinu, founder of L'African d'Architecture, an architecture firm in Lomé, Togo. Sename is on a mission to rebuild Lomé as a smart city while maintaining its unique attributes and tailoring the development to its residents. Avec l'objectif de remettre au goût du jour des traditions constructives africaines, c'est-à-dire qu'on essaie de recycler des formes traditionnelles, d'utiliser des matériaux locaux et des dynamiques locales. Lomé is the capital city of Togo. It was founded by the Ewe people in the 18th century. Togo has a strong history of architecture with structures such as its mud towers or takienta. This aesthetic can be seen in Lomé's landscape. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce que devrait être une smart city en Afrique, et donc on a imaginé ce projet qu'on appelle Hub City Africaine. One of the firm's recent ventures has been the creation of WoLab, a makerspace that allows anyone in the Dijolé district to learn, share, and create. WoLab est ce qu'on pourrait considérer comme la première chose visible du programme UpCité. Et donc l'ambition du programme UpCité, c'est d'accompagner les citadins dans la reconquête du pouvoir de transformer eux-mêmes le cadre de vie grâce à des espaces qu'on créerait ou à un réseau d'espaces qu'on mettrait en place où ils pourraient venir travailler ensemble, s'organiser collectivement et puis avoir aussi des outils sur place pour essayer de commencer eux-mêmes à imaginer une nouvelle forme d'architecture, une nouvelle forme d'habiter. Sename sought to provide 3D printing and made plans to import a printer from Europe. However, Kojo Afat Gniku, one of the resident makers, suggested that they create their own 3D printer. Thus was born the Wafat, a 3D printer made entirely of electronic waste. Ça, c'est la première spécificité. C'est la seule imprimante au monde qui est fabriquée avec des déchets d'autres machines, ce qui est très important puisque nous subissons en Afrique maintenant le problème des dépôtures informatiques qui est de plus en plus accru. Tons of electronic waste from the EU, US and China is shipped illegally each year to developing countries in Africa and Asia. Togo is one such example of a country that has served as an e-waste receptacle. Et l'autre spécificité, c'est que c'est, il me semble, hein, une des rares fois où l'Afrique n'est pas décrochée sur une technologie émergente. Nous avons accès à la technologie 3D en même temps que les Occidentaux, presque. 3D printing could turn the manufacturing industry on its head by giving consumers the ability to take digital models and print them into 3D objects. 3D printing has been used to create all kinds of objects, including human organs. The technology stands to become disruptive to the importing business in Africa. Une évidence, c'est que nous importons beaucoup en Afrique. Les médecins que nous avons rencontrés en décembre nous expliquaient qu'une petite pièce en plastique qui se casse, c'est 2 mois d'attente des fois où on attend qu'on nous renvoie un autre élément d'Europe ou des États-Unis. Donc avec cette technologie, si nous arrivons vraiment à la maîtriser et à la vulgariser, nous serons peut-être demain en mesure de produire nous-mêmes nos objets ou en tout cas de pouvoir les réparer rapidement et peut-être de sauver des vies pour ce qui concerne les applications en médecine. WoLab is focused on providing what they've dubbed low high tech, increasing the opportunities for individuals from low income background to own pieces of cutting edge technology. They will be providing the blueprints of Wafat to the general public and are currently creating the prototype of a computer housed in a jerry can. Nous prenons des projets de technologie très de pointe et nous essayons de les convertir à notre contexte africain en les adaptant à des besoins qui sont plus proches de nous, mais aussi en les pensant avec des matériaux que les populations africaines peuvent s'approprier de façon plus spontanée et plus rapidement. Ça, c'est un des aspects de la démocratie technologique. For more information on Sename,
l'Africaine d'architecture, and WoLab, visit myafricais.com. Alors les dix, alors les dix, alors les guetta, guetta, guetta.